entendu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des mutations qui sont apparues et certaines bactéries se sont mises à faire une nouvelle réaction chimique qu'on appelle la photosynthèse. C'était il y a à peu près 2 milliards et demi d'années ou 3 milliards d'années. Et la photosynthèse produit un déchet, le dioxygène. Ce dioxygène, il s'est accumulé d'abord dans les océans, puis après dans l'atmosphère. Et ce dioxygène, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, ensuite, il est monté dans l'atmosphère, et notamment dans la haute atmosphère, il a réagi avec les rayons cosmiques, notamment les rayons du soleil, et ça a donné l'ozone. Et la couche d'ozone, c'est une couche qui nous protège des rayons UV nocifs que nous envoie le soleil. Dès lors que la couche d'ozone était constituée, le vivant pouvait sortir des eaux et coloniser les terres. Donc vous voyez que tout est lié. Tout est lié. Si nous pouvons vivre aujourd'hui et discuter dans cette pièce, c'est parce que nous avons une atmosphère au-dessus de notre tête qui nous permet de vivre. Si vous bousillez cette atmosphère, dans les années 80, la grande peur, c'était le trou d'ozone, avec les CFC qui détruisaient la couche d'ozone. On a failli foutre en l'air la couche d'ozone. On a toujours un trou d'ozone au pôle sud, qui est le fruit de 50 ans d'utilisation de CFC. Il faudra probablement plusieurs décennies pour que ce trou d'ozone se résorbe. Et finalement, c'est encore un président américain, vous savez, qui a pris la décision d'arrêter les CFC, un certain Ronald Reagan, qui était aussi un républicain, comme aujourd'hui, mais c'était un républicain un peu plus respectable. Et effectivement, le type, il s'est dit, mais attendez, mais... Alors, il écoute les scientifiques, et alors, le type était productiviste et tout ça, il n'avait un peu rien à foutre, mais on lui dit, mais vous savez, s'il n'y a plus d'ozone, vous allez attraper des coups de soleil, vous attraper des cancers de la peau, et il se trouve que le mec, il avait eu un cancer de la peau. Donc, ça lui parlait, un cancer de la peau. En plus, le type, il était du terroir. C'était un Texan qui allait faire du cow-boy dans les champs. Donc, c'était un mec du terroir, Ronald Reagan. N'oubliez pas que c'était un acteur de cinéma de cow-boy à l'époque. Eh bien, le type, il a dit, mais oui, il faut arrêter les CFC. Et c'est assez vertigineux, mais c'est en fait ce mec tout seul, quasiment, qui a décidé d'arrêter les CFC. Et on a arrêté les CFC. C'est pour ça que le président des États-Unis, on peut l'aimer, on peut le détester, mais c'est quand même un mec qui a quand même un pouvoir de résonance au niveau planétaire qui est assez vertigineux. C'est-à-dire que si le président des États-Unis il a décidé de foutre en l'air la planète, eh bien on va la bousiller, la planète. C'est ça le vrai problème. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement dangereux de remettre les clés du pouvoir planétaire entre les mecs d'un seul mec, surtout s'il est élu par des abrutis. Donc, franchement... moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et par exemple, en matière climatique, on a perdu 20 ans. On a perdu 20 ans en matière climatique. Il y a 20 ans, on avait George W. Bush qui était candidat à la Maison Blanche face à Al Gore. Al Gore était tout à fait à l'écoute du réchauffement climatique et de tous les processus qu'il faudrait prendre, les décisions qu'il faudrait prendre en matière de développement durable, d'énergie renouvelable ou du moins d'énergie décarbonée. Eh bien, Al Gore n'a pas été élu, vous le savez, et George W. Bush, c'était le candidat de l'industrie pétrolière. Le type, il était soutenu par des pétroliers, d'ailleurs même son vice-président était l'ancien directeur de je ne sais plus quelle société, Enron, voilà, Enron, pétrolière. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien s'ils sont allés en Irak récupérer ce qu'ils avaient à prendre. Donc, c'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème, parce que, qu'on le veuille ou non, encore aujourd'hui, les Américains restent le gendarme du monde, et si vous mettez au coup à la tête des États-Unis quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux de la planète actuelle, eh bien, on risque de prendre les mauvaises décisions. Alors, donc, moi, ça m'inquiète beaucoup, personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais remémorons-nous l'action de Ronald Reagan, qui, certes, était un républicain qui n'était pas du tout écologique, bien entendu, mais il avait quand même ce feeling, si j'ose dire. Il a compris que l'utilisation des CFC pouvait être dangereux pour la santé des êtres humains. Et donc, il a pris la décision qu'on arrête les CFC. L'industrie ensuite a dû suivre derrière, bien entendu, pour arrêter les CFC. Et on a arrêté les CFC. Et aujourd'hui, le trou d'ozone, c'est un vieux souvenir. Alors, il existe toujours, mais peu à peu, le trou d'ozone va se résorber. Mais vous vous rendez compte que le trou d'ozone s'est constitué en 50 ans, alors que la Terre avait constitué la couche d'ozone sur plusieurs centaines de millions d'années. C'est quand même assez vertigineux, ça. C'est-à-dire que l'être humain, par son intelligence, avait créé
des substances chimiques qui n'existaient pas sur Terre et qui pouvaient réagir chimiquement avec l'ozone pour la détruire. Évidemment, c'était pas, le but n'était pas ça. Les CFC, c'était pour fabriquer des gaz réfrigérants pour les réfrigérateurs ou les bombes aérosols pour les lacs de Sedan, ou ça. Voilà. Et donc, évidemment, au départ, c'est, le but des CFC, c'était de faire des gaz qu'on pouvait compresser comme il faut. Mais évidemment, les chimistes qui avaient inventé ça n'avaient pas imaginé que ces gaz pouvaient détruire la couche d'ozone. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a eu une totale méconnaissance des conséquences. Là. C'est ça qui... Et évidemment, pour le CO2, c'est pareil. Pour le CO2, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a trouvé le charbon, puis on a trouvé le pétrole et le gaz. C'est super génial. Les énergies fossiles, c'est génial, puisque c'est facile à exploiter. Vous le brûlez, vous libérez de l'énergie à gogo, et ça coûte pas cher. Donc forcément, ça a permis la révolution industrielle, ça a permis d'être tous assis le cul sur une chaise en même temps aujourd'hui. Faut pas l'oublier. Parce que sans les énergies fossiles, je pense que mon public ici serait beaucoup plus clairsemé, qu'on serait tous morts après 50 ans, et moi je serais pas prof, je serais probablement paysan à essayer de faire pousser des patates à la main. C'est ce que je dis souvent aux élèves, ils me croient pas. C'est ça. Donc, merci les énergies fossiles. Sauf que les énergies fossiles, ben évidemment, ça produit du CO2. Et ce CO2, ensuite, provoque le réchauffement climatique que vous connaissez tous. Voilà. Évidemment, au début, ça ne posait pas de problème. Ça commence à poser des problèmes aujourd'hui. Puisque, comme vous vous rendez compte, quand on libère autant de CO2 en 3 jours que ce que les volcans libèrent en 1 an, ça dépasse complètement l'entendement. L'image est tout à fait véridique. C'est tout à fait véridique. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on connaît les solutions. La solution, aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement réduire de manière drastique les énergies fossiles. Alors, bien entendu, on ne peut pas les réduire comme ça du jour au lendemain. Parce que si on les réduit du jour au lendemain, c'est la révolution. Hein. Les gilets jaunes, à côté, c'est de l'opérette, le truc. Hein. Puisque, évidemment... on est habitué à être des consommateurs, on veut de l'énergie à gogo, on veut partir en vacances, on veut profiter de la vie. Donc, les pouvoirs publics, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises, il faut dire les choses comme c'est. Puisqu'ils savent qu'il faut qu'on diminue notre dépendance aux énergies fossiles, mais il ne faut pas trop diminuer cette dépendance rapidement, parce que sinon on va avoir des problèmes sociétaux. Donc... comment on fait? Alors, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique ou la transition écologique. Alors bien sûr, c'est un terme un petit peu fourre-tout, si j'ose dire. Mais la vraie transition écologique, ça passera quand même par des économies d'énergie. Et pas des petites économies d'énergie. Je vous invite à lire notamment Jean-Marc Jancovici, qui est, on va dire, le spécialiste français... dans le domaine, et effectivement, lui, il dit très clairement que s'il n'y a pas d'énergie fossile, il n'y a pas de PIB, et forcément, ça passe par une décroissance. Là, j'ai dit le terme que je n'avais pas encore prononcé de la soirée. Effectivement, la décroissance, soit elle est voulue, soit elle sera subie. Mais il me semble qu'elle est inévitable. En tout cas, c'est la synthèse qu'on pourrait avoir. Alors, je ne dis pas que j'ai envie de vivre la décroissance. Parce que si on voit en détail ce que c'est la décroissance, je ne vous cache pas que ça ne va pas être du gâteau. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser mitonner à feu doux. Hein. Vous raconterez ça à vos petits-enfants ou pas. Parce que, mais bon, ils sont déjà au courant. Hein. Tout ça, on l'enseigne en classe. Tout ça. Bien sûr, je ne racontais pas tout comme ça parce qu'ils sont fatigués. Mais peu à peu, tout ça s'est enseigné. On le voit dès la 6e, je pense qu'ils le voient même en primaire. Aujourd'hui, cet enseignement qui nous a fait défaut, donc ma génération ou la vôtre, est parfaitement enseigné dans les classes et les nouvelles générations sont parfaitement, on va dire, informées, même si on ne sait pas trop comment on va faire ça, mais au moins elles sont informées et elles pourront peut-être prendre de meilleures décisions que celles que nous n'avons pas prises. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée.